Et bien bonjour à tous, on se retrouve pour ce 10e épisode de Assassin's Creed 2. Je vous l'ai dit, j'enchaîne directement. Là, en fait, j'ai envie de faire le glyphe. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a le glyphe à faire. Enfin, le symbole plutôt. Ouais, je crois que c'est des glyphes. Hein. Le symbole. Hop. Voilà. Ensuite, le tombeau. Et ensuite, tuer Jacopo Di Pazzi. C'est difficile de pirater l'ordinateur central d'Abstergo. J'ai l'impression de savoir ce que je cherche. Comme si j'avais déjà vécu tout ça. C'est encore le sujet 16 qui parle. Hein. Attends, bah, je vais juste... bouger mon, voilà, le micro, désolé pour le bruit, merci. Alors, sa bouche délivre un baiser fatal, un baiser fatal, je ne sais pas, bah alors, où est-ce que c'est, non, sa bouche, je vois rien sur sa bouche. Ah, ok. Super. Faut bien que jeunesse trépasse. Donc ça c'est ici. En fait on va de photo en photo. Troupe de l'Union en formation. Caroline du Sud. Ok. Ok. Rotation picturale d'une arme à feu. Où ça? Ce truc là. Je sais pas. Donc ce monstre n'est pas une créature humaine, donc faut aller sur le monstre. Voilà, la pomme d'Eden est là. Fragment d'Eden 4. C'est parti. Ok, bon je vous montre pas trop. Du coup faut que j'aille au tombeau. Le tombeau il est où? Attends, on va redescendre. Hop. Voilà. Même pas eu le temps de dire bonjour. Ouais, bon, ça va, c'est pas terrible, mais ça va encore. Allez, go à la... au tombeau d'assassin, c'est parti. Putain, c'est temps de faire la mission maintenant, mais non, on va faire d'abord le tombeau. Attends, c'est où déjà? Je crois que c'est là. Attends, faut monter. Je sais plus. Non, c'est là-dedans, ok. Go! Tu dis quand même, je veux dire, c'est en plein milieu de la ville, il n'y a jamais personne qui allait voir, quoi. C'est assez étonnant quand même. Alors j'essaie de me souvenir un peu mais je me souviens plus trop de ce qu'il y a dedans. Je sais plus. Introduisez-vous dans la torre. Donc là il y a des assassins par. Des templiers pardon. Alors. Il faut que je descende. Non, ok donc c'était pas par là, très bien. Est-ce qu'il faut que j'aille? Je peux pas genre plonger vraiment quoi. Faut que je monte comme ça. Bah non, c'est par là d'où je viens. Pas très bien. Ah ok d'accord, bon. C'était pas explicite, on va pas se le cacher. Vas-y. Ok. Bon ça c'est fait. Je peux parler en fait, hein, mais c'est juste que je sais pas pourquoi, j'avais pas envie de parler. Putain, désolé, j'ai encore bougé le micro. Alors, sortez de la cave. Hein. Ah merde, ok, bon, c'est très bien. Putain, c'était une discrétion intense, quoi. Voilà, cherche pas à être discret. C'est vrai que la première fois que j'avais joué au jeu, je crois que j'avais essayé d'être discret, mais. Ah, j'essaie même pas. Pourquoi ça marche pas? Mais. Ah bah voilà! J'arrivais pas à les tuer quoi. Alors où est-ce qu'il faut que j'aille? Non.
qu'il y a, bon, faut que je monte sur ça. Ok, d'accord, je sais, je me rappelle. Donc je crois qu'il faut que je monte. Non, c'est pas par là. Non, putain. C'était par là, très bien. Donc là, je monte ici. Voilà. Et donc là. Non. Putain, mais quel relou. Voilà, ça c'est insupportable quand ça fait ça, putain. Ah là là. Voilà. Ouais, ça brûle, tu dis d'aller à droite, tu vas à gauche. Enfin bon, ça laisse tomber, ça c'est la caméra qui bug un peu. Voilà. Donc là, on se trompe pas. Et du coup, il faut que j'aille tout à droite. Hop. Ah bah oui, c'est pas facile de meubler hein, quand on fait un truc comme ça. En général, en fait, si vous voulez, sur ce jeu, j'ai pas trop besoin de meubler en général parce que le scénario est. Enfin, il y a beaucoup de scénarios, de cinématiques et tout, donc au final, ça se fait un peu tout seul quoi. Putain, c'est violent hein, pour un petit truc comme ça. Alors, il faut que j'aille là. Ça, je l'avais vu. Ensuite, il faut que j'aille là. Puis ici, bon, là, il y a des trucs cachés, mais j'en ai rien à foutre. Hein. Genre là, il y a un coffre, mais il n'y a pas d'ingrédients ou quoi que ce soit ici, donc c'est pas vraiment grave. Ah, je pense que c'est impossible d'être discret ici, hein, je pense. Comme je vous l'ai dit, j'essaie pas d'être discret. Hein. Certaines missions ou dans les autres opus où il faut être discret, mais dans celui-là, je crois que. Voilà. Bon, on va sortir l'épée parce que ça commence à me tuer très rapidement. Bon, c'est quand même sortir la dague. Parce que. Pourquoi je la préfère. Allez! Ah, il y a un gros monsieur. Normalement, on peut donner des coups de pied, mais pas sur celui-là, je pense. Voilà. C'est donner des coups d'esquive, mais c'est pas facile. Non, je pense qu'avec la dague, c'est impossible. Attends. Allez. Attends, mais j'arrive même pas. Putain, mais j'arrive. Mais c'est quoi ce bordel? J'arrive même pas. Mais regardez. Attends. Ça va me saouler très rapidement. Attends. Bon. En fait, faut que je me désarme. Que je lui. Mais. Putain, ça. Voilà, putain, c'est pas possible quoi. Oh là là. Ah, ça m'a tellement saoulé. Bon, je sais pas pourquoi, je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais. C'était extrêmement rageant. Ok, attends, faut que je monte ici. Ok. Voilà. Non. Putain. Ah, ça commence à picoter un peu là. Ah, vous savez même pas le nombre de fois que j'ai pu rager sur ce. Sur Assassin's Creed, mais vraiment quand tu fais pas ce qu'on lui demande, c'est. C'est très 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 rageant. Voilà. C'est bien, tu fais bien ce qu'on te dit. Bien, je suis fier de toi. Ta gueule. Alors vous, mais vous avez tellement prendre cher, c'est possible. Hop, petit soulevage. Voilà. Merci. Eux ça marche. Alors, avec eux ça marche très bien. Par contre avec les autres là, je pense que j'étais peut-être pas assez fort en fait. C'est possible. Donc là j'ai fait le temps pour rien par exemple. C'est vraiment génial. J'apprécie le concept. Alors je ne sais pas où il faut aller. C'est génial. Je dirais que c'est par là hein, mais apparemment non. Ah non, ok, d'accord. Donc c'était bien par là. Bonjour messieurs. Donc on va là. Voilà. Et voilà, ok. Hop.
Putain, allez. Putain, comment tu paries que je vais tomber ou je sais pas trop quoi. Non, c'est bon. Hop. Je t'enchaîne, mon gars. Ça va te faire extrêmement mal. Voilà, ok. Bon, c'était galère, hein. Ok, grimper en haut de la tour. Je suppose que le truc est en haut de la tour. Putain, j'ai des déductions incroyables. Hop. Ah ok, j'avais pas vu. Hop. Oh là là. Il va recommencer. Il va me refaire le coup. Hop. Là, il faut que je... Voilà. Tais-toi, putain. Vas-y, attaque. Attaque. En fait, je crois que sur Assassin's Creed, c'est tellement facile le combat qu'en fait, c'est juste d'appuyer sur une touche et ça vous fait le contre automatiquement. Mais sur celui-là, je crois qu'il faut vraiment le faire au bon moment, hein, sinon ça marche pas. C'est ça que je galère, mais je vous cache pas que le système de compte dans Assassin's Creed 1, il est 10 fois pire. Voilà, donc ça, par exemple, ça me fait extrêmement rager, mais bon. Fort heureusement, ce n'est pas extrêmement grave puisque je peux remonter rapidement. Mais des fois sur Assassin's Creed, vous faites un truc de plateforme ultra relou et tout. Et c'est pas pourquoi, mais une fois que vous êtes arrivé tout en haut, je vous dis non. Je vous dis non, tu vas redescendre parce que c'est sympa. Voilà, la caméra des fois dans ce jeu. Tu sais pourquoi là, ils se sont dit, allez, on va faire un petit truc de caméra sympathique. Les gens, ils vont kiffer. Il est bien bugué lui. Totalement bugué. Voilà. Je dis pas, hein, ça fait un petit effet cool et tout, mais après, est-ce que c'est réellement utile? Je suis pas sûr. Voilà, faut que je remonte comme ça, je crois. Non, faut que je monte comme ça. Voilà. Là, par contre, pourquoi tu montes pas là? Qu'est-ce qu'il faut faire, putain? Si c'est bien là qu'il faut aller, hein. Pourquoi tu ne veux pas? Oh, attends, j'ai zappé un truc là. Ok, non, c'est pas du tout par là qu'il fallait aller, c'est génial. Voilà. Ça va, ne t'inquiète pas. On s'énerve pas. Alors, du coup, faut que j'aille où maintenant? Donc là, on ne tombe pas, parce que je peux vous jurer que si je tombe, péter un câble. Hop. Hop, hop. Voilà. Du coup là, il faut qu'on aille sur la droite. Je vais aller à la gauche, alors je vais aller à la droite, donc faites pas chier s'il vous plaît. Alors là, ok. Alors là par contre j'ai failli aller de l'autre côté. Très bien. Parfait. Bon. Bon, c'était... Oh là, j'ai totalement bugué le jeu, c'est pas grave. Les petits coffres qui rapportent rien. Et le dernier. Il est où? Il est là. Voilà. Bon, du coup, on s'occupe du dernier. Voilà. Du coup, on a notre troisième. Voilà, saut de Wii U. Ça doit être un truc. Peut-être un dictateur chinois, je dirais un truc dans le genre. Ou dictateur coréen, je suis pas sûr que la Corée existait à cette époque. Ah, je sais pas. Je sais plus, je connais pas du tout l'histoire. Les dynasties Ming, Yang, machin et tout, j'y connais rien. Hein, donc. Me faites pas, yesh. Bon, on est à 15 minutes, c'est très bien. On va pouvoir aller tuer Jacopo. Pour l'instant, tout ce que j'avais voulu faire, tout ce que j'avais prévu est fait dans les temps. Et j'en suis content. Dépêche-toi, j'ai pas le temps. Ok. Tole grossa, ok.
Putain, le truc est vert. J'avais jamais vu ce truc là, je crois. Un truc vert. Bah tiens, il y a un glyphe. Voilà, je suis pile poil tombé là où je voulais. Vous voyez ce qui se passe? Pas encore. Bientôt, vous comprendrez. Ok. Si tu le dis. J'aime bien décrypter les fichiers. Hein. Puis autant le faire le plus possible maintenant, comme ça se fait. Alors, confronté à l'ennemi, il tranchait dans le vif. Donc, faut qu'il y ait une épée. Sur celle-là. C'est quoi le zoom? F. C'est quoi? Non, merde, zoom. Jeanne d'Arc, ouais, il y a une épée. Zoom. Percé, ok. What? C'est percé, ça? Ah oui, c'est le dragon. Enfin, le fameux dragon sur l'île. Donc, lui, non. Ah, Bismarck. Mon cher Bismarck. Sigmund, oui. Et ça, c'est Alexandre le Grand, non? Ouais, donc c'est pas lui. Samson, non, c'est pas lui non plus. Voilà. Lui, c'est qui? C'est Attila, non? Ok, épée d'Eden, très bien. Alors, il se repose sur sa puissance. Donc, ça, c'est les sceptres. Ouais, c'est les sceptres. Comme celui de Pierre, voilà. Là, ça c'est Shabataka, ça vous fait un petit peu de... Le roi Louis XIV, il avait un sceptre, non? Je sais plus. L'empereur Chunzi, non. Ça vous fait un peu votre culture. Jean le Baptiste, oui. Achille, non. Moïse. Moïse, il avait un sceptre. Ouais, j'aurais dit ça, mais... Évidemment, non. Non, pas Anoptep. C'est qui ça? La reine Isabelle. Ah, je connais la reine Isabelle. Ah, voilà, c'était. Je sais pas qui c'était, mais. Peut-être César, je sais pas. Non, César, il a pas de sceptre, je dis n'importe quoi. Ok, code trouvé. Fort bien. Je regarde juste vite fait. Ok. Vous en voyez un petit peu plus. Pas suffisamment pour comprendre, je pense. Enfin, en fait, je vais pas vous cacher un truc. Une fois que la séquence est complète, vous pouvez voir une petite cinématique qui est vraiment sympathique. Mais il est pas facile à comprendre. Voilà, je vous ferai une explication à la fin si vous voulez. Mais pas maintenant. Alors, c'est en haut. Putain, fais pas chier, s'il te plaît. Bon, j'ai 10 000. Donc, ça va être très bien pour pouvoir rénover la villa. J'irai le faire après. Ou même pour récupérer les équipements, d'ailleurs, je pense. Je peux en faire un des deux en tout cas. Voilà, ok. Donc vous l'avez compris, en clair ils se réunissent devant les dieux. Donc les dieux, c'est voilà, les dieux, l'église, etc. Donc forcément, ils se réunissent dans une église, donc la cathédrale de la ville, je suppose. Et la réunion, donc ici, voilà. Alors. Si je peux le suivre et retenir mon bras assez longtemps, il me mènera aux autres templiers. Et j'aurai d'autres noms sur ma liste. Ok. Du coup, faut pas le perdre de vue. Donc les phases de filature, c'est ce que je déteste le plus dans Assassin's Creed, parce que c'est long et chiant. Et des fois, c'est buggé. Donc... Alors, attends, faut que j'aille dans le puits. Voilà. Que se passe-t-il? Ils sont en retard. Ils ne m'ont pas vu que je sache. Ok. Peut-être une embuscade, je sais même plus si c'est une embuscade, je sais même plus. Putain. Il est relou. Voilà. Ok. Ouh, j'ai failli déconner là. Ok, il commence à se faire accompagner d'un mec. Faut pas que je sois trop proche, sinon je vais me faire choper. Ça peut être pas mal que j'ai des courtisanes en fait. Je suis en train de me dire que ça peut être une bonne idée. Dans les filatures, le truc c'est de pas faire tomber les caisses. Parce que ça les fait se retourner et du coup après vous faites choper. C'est quoi, je vais recruter des courtisanes.
Comme ça, voilà, je suis tranquille. Là, logiquement, les gardes, s'ils voient des courtisanes, ils vont... Les courtisanes vont aller avec elle. Avec eux, pardon. Là. Là, quand on est blanc comme ça, ça veut dire qu'on est incognito. Ah non. Bah non, parce qu'il y a plus qu'une seule fille. Je pense que vous complotez tous, Jacopo. Putain. Bien donné un ok, on va s'asseoir. Je suis contre rien, j'ai pas envie de perdre, j'ai pas envie de recommencer donc ça. Enfin, mais il y a des checkpoints donc on s'en fout un peu. Je vais passer par où. Pas sûr que c'était ma idée d'ailleurs. Attends. Voilà, ok. Ok. Alors. Ah, je sais plus où est-ce qu'ils vont se réunir déjà. Ah, bah si, je suis trop bête, putain, je suis vraiment très con. Si, si, bah bien sûr que c'est juste ça. Alors là, je crois qu'il va falloir que je passe par l'échelle. Ok, vas-y, go. On se dépêche. Voilà, il est là. Ok. Ah, attendez, faut que je descende. Voilà. Faut le suivre à cheval aussi, je sais même plus. Alors, faut faire gaffe parce que il peut nous voir. Ouais, je parle tout bas parce que j'ai pas envie de faire de bêtises, donc ça changera rien que je parle tout bas. Mais ta lettre évoquait Venise. Il y a des Templiers là-bas aussi. On commence à avoir des petites infos. Enfin, je vous dis rien, mais on commence à avoir des petites infos. Prends pas un cheval à un moment, je sais même plus. Parce que je suis derrière les arbres. Allez, dépêche-toi, putain. Je savais pas que c'était aussi long. Normalement c'est pas aussi long, hein. C'est juste que là ils sont durs à forcer un peu. Solo il est en vidéo, on va lui péter un peu les couilles. Désolé, hein, c'est pas la phase la plus passionnante du jeu, mais faut bien passer par là à un moment ou à un autre. Ah bah si. Je me souviens. Je commence à me souvenir, c'est bon. C'est bon, je sais où est-ce qu'ils vont se réunir. Enfin, je pense que vous avez compris aussi. Je vous le montre un petit peu vite fait. Et on l'a vu d'ailleurs. Bon, bah, c'est là-dedans, vous avez compris. Donc là, voilà, ils sont tous là, ils sont réunis. Ok, faut que je fasse gaffe. Hein. Voilà, bon. Donc tout, il y a toute la familia, donc alors donc là il faut se dépêcher parce que combien d'hommes sont responsables de l'exécution de mon père? Ah, il y a un glyph ici d'ailleurs. Je crois même qu'il y a un tombeau ici d'ailleurs. Pardonnez-moi, maestro. Oh, j'ai fait de mon mieux, mais l'assassin était trop fort. À l'évidence. Sinon les autres seraient avec vous. Et grâce à votre incompétence, Florence est toujours aux mains des Medici. C'est la faute de Francesco. Il s'est montré beaucoup trop impatient. J'ai bien essayé de le raisonner, mais... Vous vous êtes comporté comme un lâche. Parlons de vous, Signore Barbarigo. Si vous nous aviez fourni des armes au lieu de cette camelote que vous autres Vénitiens appelez... Assez ! Nous faisions confiance à votre famille, et en retour, vous vous montrez inutile et incapable ? Et quand vous devez rendre compte de vos erreurs, vous avez l'insolence de nous faire affront ! Savez-vous à quoi vous vous exposez ? Je l'ignore ! Vous l'ignorez. Moi pas.
Non. Pitié. Non. Non, pas de pitié. Rien n'est perdu. Si vous m'épargnez... Non. Quel gâchis. Je suis désolé de t'avoir devancé, assassin. Tu croyais peut-être que j'ignorais que tu l'avais suivi? Que je ne l'avais pas prévu. Tout était organisé depuis longtemps. Tuez-le. Je sais que vous obéissez aux ordres. Alors libérez-moi et je vous laisse la vie sauve. Ah, elle est bien bonne, cette... Bon. Alors, voilà, j'ai fait le con. En fait, juste petite chose avant de continuer. Je me suis trompé, en fait. Bon, en fait, tout à l'heure, quand il disait qu'il se réunirait devant les dieux romains, en fait, il parlait pas d'église, il parlait du théâtre. Mais moi, c'est vrai que je pensais aussi à l'église parce que Jacopo était dans l'église. Mais en réalité, c'était les dieux romains devant le théâtre antique, voilà. C'était juste la petite... non, d'ailleurs, je vais pas prendre ça, je vais prendre mon épée plutôt. Alors, lui, il va être très relou encore. Oh là, j'ai perdu mon épée. Là, merci. J'ai plus d'épée, quoi. C'est une violence. Enfin, j'ai récupéré une autre épée, du coup, mais... Oh là. Putain, mais... What the fuck? Dégage. Ça commence à être... Attends, c'est quoi? Allez. Voilà. Du coup. Hop. Voilà comment ça marche. Voilà. Ok. Bon, j'ai un peu galéré, mais en fait, voilà. En fait, c'est plutôt utile. J'ai rien dit de bon fumigène, mais. Voilà. Va, mon ami. Sois libéré de tes fardeaux et de ta peur. Requiescat in pace. Bon, bah du coup c'est fait. Il a été achevé. Alors, j'espère juste qu'ils vont me laisser. Non, il y a un glyphe là-bas. Putain. Séquence 5 terminée, très bien. On avance bien vite, mais il y avait un glyphe. Non. Je voulais le récupérer. C'est pas grave. On fera plus tard. On fera au prochain épisode, je pense. Enfin, ou l'épisode spécial glyphe. Si jamais on repasse pas par là, on ira plus tard. Donc là, c'est effectivement 2 ans après. Donc du coup, on a une zone plus grande de la ville qui a été débloquée. Je crois qu'on peut faire tout ça, plus tout ça, enfin... On a une grande zone, quoi. Bon. Du coup, les amis, prochain épisode, on continuera un petit peu le principal. Je vais essayer peut-être de mon côté d'aller voir... faire peut-être un peu d'annexe. C'est-à-dire faire les points d'observation. Remettre de la valeur dans la ville, etc. pour qu'on ait plus d'argent toutes les 20 minutes. Enfin voilà, quand en clair, vous avez compris. Du coup, moi je vous retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures sur Assassin's Creed 2. Bonne année à tous. Enfin, bonne année. C'est pas encore la bonne année au moment où cette vidéo sort, mais bonne année, passez de bonnes, très bonnes fêtes. À la prochaine, c'était Zorui. Allez, salut tout le monde. Salut.